étant au ciel, nous ne le voyons pas, nous ne voyons pas Dieu, nous sommes ici. Mais qu'est-ce qui nous met en relation, qui nous met ensemble, qui nous met ensemble, qui nous réunit à Dieu? C'est le sacrement. Donc le sacrement, c'est ce qui nous réunit à Dieu. N'écrivez pas encore. N'écrivez pas encore. On va dire que qui est celui qui nous met en contact, en relation avec Dieu? Jésus nous met en relation avec Dieu. Ah, Jésus devient le sacrement primordial. Jésus est aussi considéré comme le sacrement. Tu m'as compris un peu ça? Oui. Jésus est considéré comme sacrement parce que Jésus nous met en contact, ensemble, en lien, en relation avec Dieu. D'accord? On dira que le sacrement, c'est ce qui nous met ensemble avec Dieu, qui nous met en relation avec Dieu, qui nous met en lien avec Dieu. Mieux encore, on peut dire, le sacrement, c'est ce qui donne à penser à Dieu. Qui donne à penser à Dieu. Je me promène dans un village où j'arrive pour la première fois et je vois quelqu'un habillé en soutane, je pense à Dieu. Moussa Eliyanzambe, mon Dieu Anzambe. Je pense à Dieu. Je me mets en contact avec Dieu. Donc, c'est, le prêtre devient le sacrement de Dieu. Mais ensemble avec lui. Je me promène dans un village, je debout sur une église, je pense à Dieu. Donc l'église devient sacrement de Dieu. On a compris un peu? Oui. Mais finalement, dans l'église, on avait tous vu que pratiquement tout était devenu sacrement. Tout était devenu ça. Sacrement. Pourquoi au 12e siècle, vous pouvez comprendre? Au 12e siècle, un certain Pierre Lombard va dire non, 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 le sacrement, on le limite à 7. Vous connaissez? Oui. Et les autres sont des sacramentaux. Bravo. D'accord? Vous comprenez la différence? Oui. Moi, j'ai mis sacrement et sacramentaux. Sacrement, ce sont des sacrements. Ainsi donc, la définition, le terme sacrement vient du terme. La terre, ça quand même tout qui signifie mettre ensemble, lier, l'exemple du baptême. Deuxième point, les types de sacrements. Types de sacrements. Combien de sacrements avons-nous? Nous avons sept sacrements fixés par qui? Pierre Lombard. Au 12e siècle. Pierre Lombard fixe le sacrement au nombre de sept. C'est ce qu'on nous a appelé les septenaires sacramentaires. Donc l'un des conjoints catholiques et l'autre a déjà reçu le baptême dans une église protestante. Dans l'église catholique, on ne donne le baptême qu'une seule fois. Le baptême, c'est très important pour naître de nouveau. Alors si la personne est déjà... Les thèmes sont proposés par les boscoviques eux-mêmes. Des enfants qu'on entend. Ça signifie que les thèmes partent de besoins qui ressentent et des questionnements qui se posent. Donc c'est le prolongement pratiquement de la catéchèse. Donc dans la vie des boscoviques, c'est aussi la catéchèse. Alors, pensons que ce thème peut aider les boscoviques dans leur vie pratique, au contact avec d'autres églises, d'autres églises de veille, avec d'autres sectes. Donc on perçoit même de par les questions qu'ils posent. Pensons que ce sont des questions qu'ils écoutent de leurs collègues, filles ou garçons. Alors ils aimeraient des personnes attitrées qui puissent répondre à ces questions-là. Nous accueillons ça.
maison de prière et de nettoyer les assiettes. Non. Tu nettoies ça seulement ici. Et comment tu fais? Non, on t'a appris à faire ça. Qui vous a appris? Aujourd'hui, nous allons manger la patate douce. Nous organisons des travaux ménagers qui se passent au niveau de la maison, mais c'est ici au niveau de la cuisine. L'équipe de la cuisine est composée de 8 encadreurs dont on se réveille très tôt le matin pour commencer déjà à préparer pour les enfants. Déjà à 7h, les enfants prennent déjà leur petit déjeuner et au plus tard à 12h-12h30, les enfants prennent déjà leur dîner et le soir au plus tard à 19h, ils prennent leur souper. C'est comme ça ici qu'on travaille à la cuisine. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
notre thème, le thème de la colonie. Le thème de la colonie. Le thème de la colonie. Amen, je vais choisir. Regardez-moi. Ici, on a la grâce et la paroisse Saint-André. Thème de notre colonie, c'est la miséricorde s'étend d'âge en âge. La miséricorde s'étend d'âge en âge, c'est ça? Des différents sous-thèmes. Vraiment, il y avait une belle ambiance dans cette colonie. Nous nous sommes retrouvés vraiment, nous jeunes, nous nous sommes retrouvés vraiment sur les différents points abordés dans cette colonie. Et il y avait une très belle ambiance vu qu'il y avait de différentes paroisses qui se sont réunies ici. Nous nous sommes retrouvés vraiment en une famille boscovite. Nous avons aussi eu des moments de prière, rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Et maintenant, nous rentrons. Et pendant la colonie, nous avons eu à exploiter des thèmes comme la miséricorde. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Et on nous a expliqué que Dieu est miséricorde, comment nous devons être des missionnaires de sa miséricorde. J'ai aimé cette colonie parce que j'ai eu à connaître d'autres moscovites que je ne connaissais pas. On a eu des moments forts ensemble, on s'est amusés, on a appris ensemble. Et des moments de punition qui m'ont appris aussi à bien se comporter et à toujours suivre ce que les encadreurs nous disent. Ce qui m'a vraiment épaté, ce sont nos programmes. On a passé de très bons moments de formation. On a appris en ce qui concernait l'église et le groupe. On a encore enrichi tout ce que nous avons comme connaissance. En tout cas, comme je rentre à la maison, je serai un boscovite modèle au sein de mes amis, au sein de mon école, partout où j'irai. Je serai une missionnaire de la paix, de la miséricorde divine. Merci. Ça m'a appris à raffermir ma foi à l'église catholique. Il y a certaines questions que je n'arrivais pas à répondre maintenant. Si les gens qui ne sont pas de l'église catholique me les posent, je saurai les répondre parce que je suis maintenant sûre et certaine de ce que je fais. Et encore, je dis merci aux encadreurs pour tout ce qu'ils ont fait. La colonie était une réussite. Et par rapport aux punitions, même si parfois nous, les enfants, nous disons que les encadreurs sont méchants, moi je trouve qu'ils font ça juste pour nous aider à grandir et à être de bons boscovites. Vraiment, pour moi, je remercie tout le monde de m'avoir permis aussi à participer à la colonie en tant que boscovite de la paroisse Saint-Léonard. Je préférais, quand je vais rentrer, je dis aux autres comment la colonie bien passé et je vais permettre aux autres de savoir comment notre groupe évolue et les encourager à entrer dans les groupes de Don Bosco pour apprendre les choses qui se trouvent à l'intérieur.